La famille, ici, les RPGistes nous a fait croire que c'est hélas Noudel N'Diallo qui a mis petit Ousmane Yelo en prison. Aujourd'hui, cette partie veut croire aux Guinéens que non, c'est pas Noudel N'Diallo qui a mis Ousmane Yelo en prison, mais c'est la complicité de recommandement de son excellence Bala Samoura. Allah Akbar. Allah Akbar. Essayez de partager la vidéo au maximum, la famille. Donc, RPG, les RPGistes, vous là, vous êtes pas honte de mentir aux Guinéens. Vous n'êtes pas honte de mentir aux Guinéens. Arrêtez à un certain moment ou bien niveau. Il faut arrêter vos conneries, vos bêtises. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Ne prends pas les Guinéens pour les cons. Ne prends pas les Guinéens pour les cons. Vous avez dénigré, et là c'est Noudel N'Diallo ici, devant les Guinéens, devant les médias, devant tout le monde ici, que oui, c'est celui qui a mis le petit en prison. Vous avez dit ça ici. Vous avez crié haut et fort, un peu partout, jusqu'à la dame, la dame qui veut être la présidente du parti de RPG a interpellé la communauté nationale et internationale. Oui, opinion nationale et internationale, soi-disant que c'est hélas Noudel N'Diallo qui a mis son petit frère en prison. Que c'est UFDG qui est complice de l'arrestation de Ousmane Yelo. Aujourd'hui, on demande le colonel Bala Samoura, son excellence, le haut commandement. Big up à vous. Vous avez à tous mes respects. Mais mon colonel, prenez ce dossier-là. Prenez ce dossier-là en considération. Car cette femme, car cette partie veut salir votre image. Cette femme et cette partie et son parti veut salir votre image. Parce qu'ils ont fait une manifestation. Le monde a refusé de sortir. Ils ont fait une manifestation hier, mon colonel. Donc le monde a refusé. Donc les Guinéens ont refusé catégoriquement de sortir. Maintenant, il veut mettre le gouvernement guinéen en conflit avec la population guinéenne. Cette femme et cette partie est très très dangereuse, mon colonel. Son Excellence Bala Samoura. Son Excellence, honorable, honoré Bala Samoura, prenez cette décision-là, prenez ce dossier-là en considération, s'il vous plaît, mon colonel, s'il vous plaît, parce que cette femme veut vous mettre en conflit avec la population guinéenne. Mais nous, on ne va pas accepter, parce que vous êtes une personne très respectueuse. Très respectueux. On a vu le moment de grève ici. Le colonel Bala Samoura qui disait la vérité au général Bafoué d'arrêter de tuer les Guinéens, d'arrêter de tirer les balles réelles sur les Guinéens. Aujourd'hui, si on voit quelqu'un qui veut salir l'image de cette personne-là, l'image de la grande personne-là, on doit combattre cette personne-là ensemble, main dans la main. On doit combattre cette personne-là ensemble. Ensemble. Parce que cette personne est une dangereuse. Elle est très, très dangereuse dans la société. Donc, la famille... On a oublié la règle, on a ça fait, on moule à on a fait mon doigt l'iluna. On vous a toujours dit on doit poursuivre cette femme à la justice guinéenne parce que cette femme et son parti politique ils sont très dangereux pour notre nation. Ils sont très dangereux pour notre nation. On a vu sa sortie aujourd'hui, sa sortie bidon, la sortie bidon. Donc il a en train d'accuser le colonel Bala Samoura. En train d'accuser le colonel Bala Samoura.
Colonel Bala Samora, son excellence honorable, honoré, qui est complice de mettre le petit en prison. Nous, on est intelligent, on est bourré d'intelligence. D'intelligence, c'est le discernement. On peut comprendre que cette dame a tout simplement appelé Colonel Bala Samora, s'il vous plaît, en pleurant, s'il vous plaît, Colonel Bala Samora, faites quelque chose pour moi. Faites quelque chose pour moi. Vous allez libérer mon petit frère. Le Colonel Bala Samora, peut-être, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Peut-être le Colonel Bala Samora a dit à cette femme que non, ce n'est pas mon dossier. Le dossier, c'est pour l'État. Le problème de petit, c'est pas pour l'État au moins, c'est entre le petit et un citoyen guinéen. Donc l'État n'a rien à voir. Le petit doit arranger son problème avec qui il a eu le problème. Nous, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas intervenir. Donc c'est dans ça, cette femme veut s'en servir au moins de faire croire aux Guinéens que oui, il a échangé le colonel est complice d'arrestation. Mais le colonel Bala Samora a quelle importance ou bien quel intérêt pour mettre toi, ton petit frère Ousmane Yelo en prison? Hein? Colonel Bala Samora a quel intérêt de mettre Ousmane Yelo en prison? Le moment que Ousmane Yelo insultait le vieillard ici, c'était devant tout le monde, devant tous les Guinéens. Devant tous les Guinéens. Mais Colonel Bala Samora a quel intérêt d'être complice de mettre le petit en prison? C'est faux! Il faut être sincère avec les Guinéens. Il faut demander pardon à la justice guinéenne. Pardon à les Guinéens. C'est fini. Si vous faites ça, nous tous, Mounimali Mana, on n'a pas de demander. Nous tous, on va faire la mobilisation ici d'aller demander la justice de la libération de petit Ousmane Yelo. Parce que le petit, avant tout, il est guinéen. Il a le droit, comme les autres Guinéens. Mais ce n'est pas comme ça de mélanger l'autorité guinéenne contre les citoyens guinéens. Parce que les citoyens guinéens ont refusé de sortir faire la manifestation. Maintenant, vous voulez mettre la population guinéenne en conflit avec son excellence honorable, honoré. Alko Nyamara Mini Rapagaye. Personne ne va sortir ici pour pagayer ici. La Guinée ici, la pagaille est finie. C'est terminé la récréation. C'est terminé. Il faut tout simplement demander le gars, demande à Colonel Bala Samora de vous aider pour la libération de ton petit. Mais le colonel n'a rien à voir. Même le président de la République, il n'a rien à voir. Le président de la République, son excellence, honorable, honoré, qui est Elhaj Mamadi Doumbouya, il a été clair ici, devant tout le monde, que la justice sera la boussole. Que la justice sera la boussole. Donc vous pouvez tout simplement demander pardon aux Guinéens, pardon à la justice, pardon au gouvernement, c'est fini. Mais d'accuser notre gouvernement, non, on ne va pas vous tolérer dans ça. On ne va pas vous tolérer dans ça. Arrêtez d'accuser les bonnes personnes. Colonel Bala Samora. Colonel, ne laissez pas ce dossier-là. Mon colonel, ne laissez pas ce dossier-là. Parce que l'accusation-là est très, très, très dangereuse. Est très, très fort aussi. Donc, il ne faut pas laisser l'accusation-là. S'il vous plaît. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Chaque jour, quand on dort, on se réveille. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, la famille et le colonel Bala Samora
avec toute son équipe, on doit mettre fin à cette accusation. Parce que le colonel n'a rien à voir dans ce dossier-là. C'est un sale dossier. Le dossier de Ousmane Yélo, c'est un sale dossier. Qui va défendre le petit? Personne ne peut défendre le petit. Personne. 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 Le problème de petit, il a insulté un vieillard. C'est fini. Ce n'est pas ni Seloudel, ni Colonel Bala Samoura. C'est parce que le petit, il a insulté un vieillard qui a servi la nation guinéenne. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais vous avez accusé, et là c'est le Dalengalo ici. Bon, Richard arrive, ma colosse, c'est l'indifé la Guinée. On a rassé le Dalena Petit Sarguéli. Aujourd'hui, la présidente du parti RPG a fait une sortie bidon. Soit disant, ouais, c'est Bala Samoura qui est complice. Et Adama, on peut faire ça. Hein? La manifestation que vous voulez préparer, ou bien vous êtes en train de préparer pour lundi prochain là, s'il vous plaît, il faut sortir. Lundi ce prochain au moins. Lundi ce prochain, s'il vous plaît, il faut sortir. Il faut sortir. Parce que j'ai entendu que le petit Damarou, le connard, le maudit blogueur, en train de dire que oui, que maintenant ils ne vont plus sortir dans les week-ends. Ils vont sortir maintenant. Le jour ouvrable, ça veut dire le lundi, ils vont bloquer toute la route de la capitale ici, ou bien dans l'étendue du territoire guinéen. Ils vont bloquer tout. Il n'y aura pas le travail. Mon petit, si c'est ton papa qui a construit la Guinée ici, viens bloquer la route guinéenne. Si c'est ton papa qui a construit la Guinée ici, on va te montrer que ce n'est pas ton papa qui a construit la Guinée ici. Un simple libérien se flanque aux États-Unis. Poussez les Guinéens à la haine. Poussez les Guinéens à une guerre ethnique civile. Tu es malade? Tu veux faire la guerre? Il faut aller au Libéria. Idem que Benito aussi. Benito, tu veux faire la guerre en Guinée? Mais il faut bien partir chez vous, au Libéria. Au Libéria, là-bas, vous pouvez faire la guerre civile, ethnique, whatever, I don't know. Mais there, this country, never. We can't. You can't, bro. You can't, there, this country. This country, you have benediction. This country, you have everything. And great. Everything and great. We can. We can do any mistake there, this country. We have our grandfather, our grandmother for this country. We have too much benediction for this country. We can do anything, any mistake for this country. Wally, trust me. Trust me, bro. We can. Never. This country is our country there. Is Guinea our country. It's not Liberia country. If we want to do something or some mistake, you are welcome to Liberia, bro. You are welcome to Liberia. Liberia, this is our country. Go away to Liberia. Go away to Liberia. This country is country for Guinea people. You're sitting in America. Every time, urgent. Where this motherfucker urgent come from? Where this urgent motherfucker come from? There is a Guinea, we don't need the urgent there. Everything is beautiful and great. All family, community, all. Yeah, we are so happy for this country. We are so happy for this country. Now, this time. We are same people. We are same people. No different. No different for community. Never. I see the love, the great, you know, the feeling for Guinean people. If we want to do some mistake or some things,
Welcome to Liberia, bro. Motherfucker, man. Welcome to Liberia. Go away to Liberia. You know. Voilà, la famille. Il ne faut pas écouter les personnes perdues, les maudits blogueurs comme Petit Ansu Damaru. Ansu Damaru qui appelle la manifestation ici en Guinée. Il n'a pas ses parents ici en Guinée. Benito, peut-être, je ne connais pas pour Benito, mais Ansu n'a pas de parents ici en Guinée. Quand Ansu Damaru est venu ici en Guinée, qui a vu un membre de ses parents? Il n'y en a pas. Moi, je fais la vidéo chez moi, dans ma chambre, mes parents sont là, ma famille sont là. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non? Mais Ansu n'a pas de parents ici. Ansu est en train de vous pousser dans la misère. Ansu, tu veux faire la manifestation ici. Wallahi, moi-même, je peux t'aider. Va prendre tes parents au Liberia. Tu viens manifester en Guinée. Moi-même, ni Mali, mon cadeau. I'll help you for free. Really? Benito, tu veux faire la manifestation ici. Va prendre tes parents au Liberia, tu viens. Ouais. Là, ça va trouver que nous tous, on est dedans, on est en Guinée. Là, quand ça va péter là, ça trouvera que vos parents sont là. Ça trouvera que vos parents sont là. Mais vous n'avez pas de parents ici en Guinée, vous êtes là à pousser les jeunes de sortir. Le jeune qui a été arrêté, conduit à la police station, il a perdu. Il va passer son fin d'année en prison. Damaru, je ne sais pas, Lika Damaru ou bien qui Damaru. Le monsieur qui nous a accusé ici, que c'est nous les insulteurs publics, c'est nous qui insultons les gens sur les réseaux sociaux. Il a même chanté contre nous. Tu as vu, Dieu ne dort pas. Et pourtant, le monsieur, il m'a accusé. Je l'ai dit, mon frère, moi je n'ai pas insulté, moi j'ai pas le cœur d'insulter le papa de quelqu'un ici. Moi j'ai insulté les personnes ici qui ont insulté ma communauté. J'ai insulté quelqu'un ici qui a insulté notre Kuntigi, qui a insulté les sages de ma communauté. Woman wa ma fait better woman, woman, woman in the mara, blood clot. Woman wana de toma. Wakoloma muntanga udeba bana. Mumba fare fara, mumba fure fura, arakuya. Voilà. Donc la famille, restez sereine. Gardez la sérénité. La Guinée est une famille. Sans distinguer les communautés, les ethnies. Comprenez quelque chose. La Guinée nous appartient. La Guinée appartient à tous les Guinéens. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Si on gâte la Guinée, ou bien si on fait quelque chose de misérable en Guinée, comprenez que on est tous des coupables. Les gens qui parlent comme ça, ils sont tous des Libériens. Ils viennent de Libéria. Ils viennent de Libéria. Un Libérien vient... Viens vous pousser à la misère. Eh les Guinéens, on est trop intelligents pour ça. Bombe clat, réveillez-vous maintenant. Il est temps de vous réveiller. Réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous maintenant. Il est temps. Réveillez-vous maintenant. Oh bah tu me fais me rebelle, petit Ansu Damaru qui peut même pas mobiliser 5 personnes. Nafa, adore Facebook, ma nous wong wong. Anou wong wong. Wamunama Wayarabide. Wamato RPG. Hier, la manifestation de RPG. Il n'y avait même pas 25 personnes ou bien 50 personnes. Et pourtant, ceux qui étaient là-bas, ils sont issus d'une famille. Narebere nana, ebere naman brebere. Ebere nous nommer rafamé tongode bangrenu. Emine rafamé ranu. Mais qui a fait sortir sa famille? Personne. Personne. Seulement, autant gêner, autant en pousser.